Bonjour chers téléspectateurs de FA Channel TV, moi c'est Riane. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Découverte, votre émission mode qui vous transporte dans l'univers de la créativité. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une jeune femme belle et talentueuse créatrice. Bonjour Tolina. Bonjour Riane. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour chers téléspectateurs, je me présente, je m'appelle Fatih Madina Khan et je suis créatrice de Tolina Collection. Très bien, quelles sont vos origines? Je suis d'origine mauritanienne, je viens de la Mauritanie, plus précisément de Fassikou, qui est située à 1280 km de Nouakchott plus précisément. Mon père et ma mère vivent toujours là-bas d'ailleurs. Où mon père est médecin et ma mère est sage-femme. Très bien. Très bien. On voit que vous avez des origines maures et un peu sénégalaises avec un mélange de peul. Ça, c'est super. Sinon, pourriez-vous nous parler de votre marque? Depuis quand avez-vous créé Tolina? Ça fait 3 ans que j'ai créé Tolina. Et je pensais le faire depuis longtemps. J'étais pas vraiment prête. J'étais pas vraiment prête financièrement, psychologiquement et tout. Mais ça fait 3 ans que j'ai commencé. Très bien. Maintenant, d'où vient le nom Tolina? C'est un nom qui est spécial, hein? On ne l'entend pas beaucoup. En fait, Tolina, c'est le prénom de ma petite sœur cadette. D'ailleurs, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et en fait, à la base, c'est Tolikan, c'est le nom d'une grande tante. Et ma mère l'a surnommée Tolina. Depuis qu'elle est née, on l'appelle Tolina. Donc voilà d'où vient le nom Tolina. Super prénom. En tout cas, c'est très original. Quelle est la particularité de votre marque Tolina? La particularité de notre marque, on va dire, c'est qu'on utilise beaucoup les tissus ethniques. On va dire les voiles teints à la main. Par nos braves femmes, les Soninké. Oui, je les ça, salue au passage. J'utilise beaucoup le tissu mauritanien et j'utilise aussi de la soie importée pour faire un peu le mix par rapport au choix des clientes et tout ça. Très bien, en tout cas, c'est une très belle chose. Sinon, vous pouvez-vous plus nous parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a inspiré à plus vous lancer dans la mode? Si vous voulez que je vous parle de mon parcours, bon, je vais dire, je vais commencer par ma petite histoire. Donc, comme je vous ai dit, je suis mauritanienne et je viens d'une ville qui s'appelle Bassiklou, qui est à 1480 km de Nouakchott. Il était une fois, ma grand-mère est venue là-bas. Et j'ai quitté là-bas avec ma grand-mère pour rencontrer le Sénégal pour la première fois de ma vie. Ah ouais, c'était en quelle année ça? J'avais 5 ans. C'était votre première fois sur Dakar? C'était ma première fois sur Dakar. Et depuis, ce fut le coup de foudre entre le Sénégal et une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. D'ailleurs, la preuve, je suis là au Sénégal, je suis mariée ici. Ah ouais, ici. Très bien. Donc du coup, et ce qui m'a le plus marqué, c'est... Quand j'allais en Mauritanie, quand je suis retournée en Mauritanie, on me disait tout le temps la Sénégalaise, la Djolf, ça veut dire la Wolof. Et dans quelle langue? En Poulard. Ils me disaient tout le temps la Djolf, ça veut dire la Sénégalaise, la Wolof. Et quand je venais ici, on me disait la Mauritanienne. Donc du coup, je ne sais même plus si je suis Sénégalaise ou Mauritanienne. C'est un mix des deux. Voilà. Et le mélange de culture m'a fait découvrir tellement de choses, tellement de cultures et tout. Et c'est là d'où vient mon inspiration, en fait. Ah, très bien. Donc, si on peut dire, qu'est-ce qui vous a poussé à plus vous lancer dans la mode, à faire votre passion? Vous avez une source d'inspiration? Comme je disais, c'est par rapport à nos femmes, okay. Soninké, nos cultures. Oui, je les salue au passage, qui font de jolis boubous.
cousue et teint à la main, que j'ai toujours trouvé magnifique et précis. C'est ça en fait qui m'a poussée à me lancer dans la mode. Très bien. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de tissu? J'ai toujours pensé à ça. Je me suis pas lancée tôt, aussitôt, mais j'y ai pensé pendant longtemps en fait. Mieux vaut que tard, en tout cas. Mieux vaut tard, quand même. Sinon, avez-vous déjà participé à des défilés ou créé des événements par rapport à votre marque? Pour le moment, non. Je n'ai pas encore commencé de défiler. Je compte faire un défilé virtuel prochainement. Super. Mais pourquoi pas la Fashion Week? Bien sûr. Avec pourquoi plaisir. Avez-vous fait des shootings ou des campagnes, vidéos et tout? Ça, je le fais très, très souvent depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a débuté. En fait, c'est que l'année dernière, pendant le confinement, que j'ai commencé à être dans les réseaux sociaux et tout ça. Sinon, avant ça, j'avais ma petite clientèle et tout. C'est que l'année dernière, pendant le confinement, que j'ai commencé à faire des campagnes par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. Par rapport à ça, au confinement, donc, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Il y a eu des avantages, certes, et des inconvénients aussi. Oui, il y avait surtout... Vous les avez vécu? Il y avait surtout plus d'inconvénients quand même. Parce que, surtout par rapport à la logistique, c'était très difficile de pouvoir envoyer les commandes à l'extérieur. Parce que la plupart de ma clientèle se trouve à l'extérieur. Ce sont des gens de la diaspora, donc c'était très difficile de trouver des GP disponibles et les autres compagnies, les coûts étaient un peu trop élevés et puis voilà. Entre temps, on a pu s'améliorer pour être mieux organisé par rapport à ça. Ça a été très 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 difficile pour nous. Eh bien, au moins, vous l'avez surmonté, vu que vous me parliez de votre futur défilé virtuel. Sinon, vous aviez plus quelle tranche d'âge, Tolina Abi? Tolina Abi, pour la tranche d'âge, on va dire, c'est entre 20 et 40 ans. Entre 20 et 40 ans. D'accord, très bien. Vous faites aussi des modèles pour hommes ou vous ne faites que des modèles femmes? Nous faisons des modèles pour hommes, mais vu que c'est le début, on s'est dit... On se focalise plus sur les tenues de femmes pour ne pas être trop dispersées. Et par rapport aux hommes, on fait des modèles pour hommes, mais pour le moment, ce n'est que sur commande. On en fait pas mal, mais on est plus spécialisé quand même pour... D'accord. Vous faites aussi des modèles enfants? Ça dépend en fait. Les modèles enfants, c'est aussi sur commande. C'est pas notre spécialité, mais on le fait quand même. D'accord, très bien. Est-ce que Tolina a une large gamme, c'est-à-dire des accessoires, des bijoux, vous le faites aussi? Oui. Vu que vous êtes d'origine mauritanienne, on sait que la culture mauritanienne est très riche par rapport à ses bijoux et ses tissus. Vous avez parfaitement raison sur ce plan. Là, on fait des chaussures, on fait des bijoux, on fait des sacs aussi et des chapeaux. Super. Sinon, Madina, vous habillez aussi plein de stars ou d'actrices ou de mannequins aussi? Parfois, vous collaborez avec eux ou bien? Oui, j'ai beaucoup de collaboratrices sur ce domaine. Et d'ailleurs, je les salue au passage. Des gens que j'ai pu côtoyer. Franchement, déjà des gens très sympathiques, des personnes ouvertes d'esprit. Et on s'entend très bien, vraiment. Et ça se passe super bien entre nous. Très bien. Vous habillez aussi des Sénégalaises ou bien vous avez aussi d'autres clientèles en dehors du Sénégal? Oui, j'habille les Sénégalaises. J'ai des Maliennes, des Guinéennes et comme je disais tout à l'heure, des gens de la diaspora surtout. Ah, vous exportez plus que... D'accord. Exactement. Très bien, c'est super. Donc aussi, quelle est la différence entre Tolina et les autres marques? Votre touche, au fait, sur votre marque, c'est quoi la différence?
La différence entre Tolina, c'est une question assez pertinente. Parce que je me dis qu'on a les mêmes cultures, qu'on fait à peu près la même chose et tout. C'est juste que Tolina, en fait, Tolina propose une large gamme, en fait. Ce n'est pas que des tenues africaines ou que des tenues européennes. En fait, c'est un mix de tout, on mélange de tout. On fait surtout des tenues tradies modernes. Très bien, très bien. Donc, c'est quoi votre style? Vous faites que des boubous ou bien... C'est quoi le style, au fait, de Tolina que vous proposez? C'est tradit moderne. On va dire, par exemple, si c'est un boubou, ça va être un boubou, mais pas que pour des cérémonies ou pour des fêtes. C'est, en fait, des tenues qu'on peut mettre, que ça soit au boulot, que ça soit en ville, que ça soit à un dîner, que ça soit à une fête. Ce sont des tenues qui passent partout, en fait. Très bien. Là, on s'approche de l'été et j'imagine que Tolina a lancé une nouvelle collection. Ah, on peut oui. S'attendre à quoi? Très prochainement, vous allez avoir la surprise. Hein? Mais dites-nous un peu, comme ça, on aura une aperçu, au moins. En fait, là, j'ai commencé déjà. J'ai déjà commencé la collection. Je propose des ensembles d'Europe, des ensembles de jupes. Et crop top, et des robes longues aussi, très colorées, vu qu'on est en été. Donc voilà. Ok, très bien. Sinon, quelles sont les couleurs de l'été selon vous à dire à nos chers téléspectateurs, surtout aux femmes qui nous regardent? Bon, je dirais toutes les couleurs vives. Hein? Ah ouais, c'est-à-dire. Je dirais toutes les couleurs vives, je dirais le rose. Le rouge, le bleu, le vert, surtout le vert fluo, c'est une couleur que j'adore et que je trouve que ça passe partout, en fait, pendant l'été. Et vous trouvez que ça va à tout le monde, alors, cette couleur-là? Bah oui, je trouve que ça va à tout le monde, exactement. Ça va à tout le monde, à toutes les teintes. D'accord, très bien. Donc, Tolina, elle a une équipe derrière elle, j'imagine. Avec tout ce travail-là que vous faites, vous m'avez dit qu'il y a 3 ans que vous avez commencé et là, je vois de très belles choses. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une équipe très solide derrière vous. Je préfère dire une famille okay, à la bien. Place d'une équipe parce qu'on est une grande famille, je dirais, par rapport aux tailleurs, par rapport aux mannequins, par rapport aux fournisseurs. Franchement, on va dire que c'est un travail d'équipe, mais moi, je dis que c'est une famille parce qu'on est tous à l'aise et chacun va à son rythme. Il n'y a pas de stress. D'accord. Très bien. C'est vous qui faites tous les dessins, le design et la finition. Vous donnez votre avis sur tout? Je donne mon avis sur tout. Très bien, très bien. Du début jusqu'à la fin. Ok, c'est bien. Du début jusqu'à la fin. Sinon, quelles sont les difficultés que vous avez eues à... rencontré depuis que vous avez commencé la mode à être créatrice depuis 3 ans. Quelles sont les difficultés? Vous avez à rencontrer quelques difficultés, j'imagine. Bien sûr. Comme on dit, tout début est difficile. Ça a été très, très, très dur, très difficile par rapport au choix des tissus, à la qualité, par rapport aux fournitures, ou avoir des fournitures de qualité et avoir les bons tailleurs. Bon, j'en avais déjà depuis des années. Les anciens tailleurs que j'avais avant même d'être styliste, il y en a quelques que j'ai gardés et tout ça. Bon, à part ça, c'était quand même difficile niveau fourniture. C'était très, très dur de trouver des tissus de bonne qualité, et des accessoires de très bonne qualité parce que j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la qualité. Oui, ça c'est important. C'est le plus important pour moi. Oui. Vous êtes juste basé à Dakar ou vous avez aussi d'autres endroits où vous êtes à travers le Sénégal? Pour le moment, je suis juste sur le Sénégal. Je suis présente dans des concept stores qui sont dans Dakar pour le moment. Mais je souhaiterais m'exporter, je souhaiterais être présente dans des pays de la sous-région. Ou en Occident, pourquoi pas. Bien sûr, on croise des doigts. Merci, c'est gentil. Sinon, Madina, vous avez quel rapport avec les autres stylistes du Sénégal? En fait, il y en a quelques que je connais, que je connaissais depuis d'ailleurs. Mais franchement, le rapport que j'ai avec eux,
je peux dire que j'ai de très bonnes relations. Elles ne sont pas nombreuses, mais franchement, j'ai de très bonnes relations parce que je peux dire, même ce sont des sœurs ou ce sont des amis et tout ça, je les connais bien et tout. Et franchement, il y en a même des fois qui me demandent est-ce que tout se passe bien et tout ça, qui essaient de me mettre à l'aise et tout. Vraiment, je ne me plains pas. C'est super. Sinon, vous travaillez parfois avec des influenceurs? Oui, je travaille avec des influenceurs. D'ailleurs, je dis, ils font partie de l'équipe qui est la famille. Parce que pour eux, je me dis, Tolina, c'est comme si c'était leur Tolina à eux, en fait. Tout l'effort qu'ils fournissent et tout ça, franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Vraiment, je les salue au passage. Ce sont des sœurs, des frères, vraiment. Et on s'entend super bien. Vraiment, vraiment. Alors, Madina, quels sont les futurs projets de Tolina? Bon, les futurs projets de Tolina, il y en a beaucoup, hein? Mais je vais vous en citer juste quelques. Je voudrais bien être présente dans les concept stores de l'extérieur, faire des défilés à l'extérieur pour plus présenter quand même Tolina et proposer les articles que je fais. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui vous regardent? Ce que je conseille aux jeunes femmes qui veulent devenir créatrices de mode, je leur conseille surtout de jamais reporter, de s'armer de courage, de ne pas se dire oui, on va le faire le mois prochain, on va commencer l'année prochaine, on va commencer dans 10 ans. Il faut le faire tant qu'il est temps. Il faut commencer. Même si on n'a pas les moyens, il faut quand même essayer de commencer par quelque chose. Madina, là nous sommes presque au terme de notre émission. Avez-vous un mot de la fin à dire? Je tiens à remercier ma famille, ma belle famille, mashallah, mes amis et deux personnes très importantes dans ma vie et ma grand-mère, exactement aussi. Je la salue au passage et l'homme de ma vie qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours épaulée. Qui a toujours cru en moi et qui le fait jusqu'à présent. Il me pousse tous les jours à aller de l'avant. Vraiment. Et je le remercie énormément, énormément pour ce soutien. C'est beau en tout cas. Voilà, Madina, on te remercie beaucoup de nous avoir reçus sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Fashion Africa TV pour cette belle initiative. Merci pour cette invitation. De rien. Et on se dit du courage et bonne continuation. Merci. Mais où est-ce qu'on peut trouver Tolina sur les réseaux sociaux? Vous avez des comptes, non? Oui, nous sommes présents sur Instagram. Nous avons trois page Instagram, mais ça reste Tolina Collection. C'est Tolina Collection sur vos pages. Oui, le premier c'est Tolina Collection collé, le deuxième c'est Tolina point collection, le troisième c'est Tolina Collection l'officiel. Et nous avons Facebook aussi, qui n'est pas très actif, mais qui s'appelle Tolina aussi la page Facebook. Merci Madina, c'était un plaisir de vous recevoir Merci sur ce Réa. plateau de découverte. Merci Réa, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs de FA TV, j'espère que vous avez apprécié ce numéro. Quant à moi, c'était un plaisir de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.